On ne sait pas ou quoi, j'espère que vous allez tous très très bien. Moi, ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo sur RFS pour faire des. On va réaliser des défis dans le jeu. Donc, par exemple, on va répondre à des questions sur Internet. Par exemple, je invente un truc. Tiens, un défi que je voulais faire, par exemple. Est-ce que un A380 peut atteindre le Mach, par exemple? Est-ce que je peux faire le mur du son avec le Concorde? Enfin voilà, tout ça. Plein de défis comme ça. Est-ce que je peux aller à 3000 nœuds? Bon, 3000 nœuds, ça va pas être facile. Donc voilà. Donc on va aller en game de suite. Allez, parce qu'il y a du fun, on va aller en multijoueur. Au moins on verra les joueurs. Bon alors, yep, déjà, alors comme vous pouvez le voir, on a ce nouvel avion, le Learjet 35A. Je vais faire une vidéo dessus, je vais faire une présentation de celui-ci bah, prochainement. On va peut-être l'utiliser dans la vidéo, selon les défis que j'ai. Parce que en fait, les défis, je vais beaucoup improviser. Après, il y avait cet avion, il fallait que je fasse une vidéo dessus. Qui ressemble beaucoup à lui. Voilà, donc j'ai cet avion, il faut que je fasse une vidéo chez lui, donc j'ai deux vidéos de prévues déjà. Donc on va commencer avec la 380, on met une petite livrée, Emirates, voilà. On aime, on apprécie. Non, c'est la nuit, donc ça va être chiant. Tiens, on va aller là. Allez. Suis tout là-bas. On fait pas de atterrissage, on va juste. Donc je prends le temps de démarrer l'avion et je continue. Attends ça. Je continue à tourner après de suite. Bon, du coup les gars là. J'ai décollé. Je vais pas vous dire d'où parce que je sens que vous allez me tuer. Bon ok, j'ai décollé de la zone de taxi. Voilà, normal. J'ai décollé du taxi wave. Donc voilà, je pense que les joueurs ont dû halluciner en me voyant comme ça. Ce qui est totalement compréhensible. Du coup là, on va prendre de la hauteur. Là, vous voyez en bas, là, j'entoure au montage. On est à Mach 0,23 et je crois le Mach c'est style 650 nœuds, un truc dans le style. Du coup là on fait une descente. En fait on fait une parabole comme dans les vols 0G. En fait ça consiste à faire monter l'avion, piquer du nez l'avion vers le ciel. Attends, il redresse. Il redresse pas du tout l'avion. Non! Oh non! Oh, je suis dégoûté. Pourtant, il y a un gars qui a réussi à le faire sur le jeu. Mais bon, mon avion ne redressait pas. Juste pour montrer mon petit décollage hein, en taxi. Juste pour rire, quoi. Juste pour le kiff, parce que c'était vraiment drôle. Donc voilà, j'ai décollé comme ça. En taxi normal. Avec moi c'est un peu normal aussi hein, tu sais, entre nous hein. Bon allez, on va passer à bon, défi numéro 2, défi numéro 2. Et ben, sur ce à tout de suite. Bon les gars, là on est parti avec le Larjet, le nouvel avion, le petit ce petit avion que je trouve fort sympathique. Donc là les gars, on va faire un défi qui est plutôt simple, sans se mentir. L'alarme qui fait chier. On va... bah, en fait, j'ai décidé d'aller à 350 nœuds avec et de faire des vrilles, tout simplement. Donc déjà les 350 nœuds,
On va d'abord faire les 350. Vous pouvez voir à droite, à gauche, pardon. Les 350 nœuds sont dépassés. Mais c'est la tonne des 500 quand même. Hein. Ce serait beau. Non, on est trop bas là. Oula, oui. Dans mon casque, là, il y a l'alarme de vitesse qui a bugué. Non! Un défi validé sur deux, on se retrouve pour la vrille. Cette vidéo est une catastrophe, mon Dieu. C'est la vidéo la plus. Oh là là. En termes d'organisation, c'est la pire. Bon, allez, pour éviter de perdre du temps, on va y aller de suite comme ça. On s'en fout de la livrée. Ouais, parce que sinon, on est en taxi et tout. Enfin, c'est trop chiant. Runway. Est-ce que vous validez mon accent anglais? Oui, non, j'en ai rien à foutre, je n'ai pas besoin de savoir. La moyenne d'anglais est de... J'en sais rien. J'ai pas regardé. Je m'en fous un peu d'ailleurs. Non, je plaisante. Non, je rigole encore une fois. Ouais, t'inquiète pas, c'est bon. Pleure pas sous ta couette, je rigole, je rigole. Depuis tant qu'on se connaît, les gars, hein. Je l'ai dit tout à l'heure, ça, non? Ouais, je crois. On change pas une équipe qui gagne. On change... Ah, mon Dieu, on change pas une équipe qui gagne. Tiens, on va, juste pour rire, on va essayer d'atteindre la vitesse avec les roues, là. Ça fait de la fumée. Comme la fumée de la petite cheminée du Papa Noël. Hihihi. C'est rigolo. Oui, ah! Ok. Bon bah moi je dis go commencer les vrilles. Hein. Bon on y va dès maintenant. Allez. On va se mettre. Non pas en vue cockpit. On va se mettre comme ça. Oui. Ah, on n'est pas bien là dans mon petit largette à 8 personnes là. Enfin, il peut accueillir. Ah les lags! Vilain avion. Passe à la prochaine expérience. Donc là, on est avec le Boeing que j'appelle Rafale parce que je ne connais pas son nom exact. Je sais plus ce que c'est le. Le pire, c'est qu'on m'a dit son nom il n'y a pas longtemps. Bon, allez, je sais plus. On va pas perdre de temps parce que voilà, je sais pas si ça vous intéresse, mais j'ai que 22 minutes de rec là, on est bientôt à la moitié. Il faut pas trop que je fasse le con, faut pas que je perde mon temps. J'ai déjà bouffé un tiers là. Donc faut se bouger un peu le huc. Donc là les gars, le défi consiste déjà d'aller à Mach ben, à 1, allez, Mach 1,5 et de voler le avec la vitre contre la terre. Enfin, tu as capté, je pense. Si t'es pas débile, t'as capté. Non, je plaisante. On peut très bien capter sans être en étant intelligent et débile. Donc là, vous voyez encore en bas le Mac. On y est bientôt. Remonte un petit peu. Bon, le Bang supersonique. C'est bon, moi je l'ai eu, moi je sais pas si. Bah non, vous l'avez pas techniquement parce que vous avez pas le son du jeu. Je vais essayer de mettre le son du jeu en live une fois, c'était beaucoup trop fort. On n'entendait rien, c'était l'horreur. Oh! J'ai sué du cul là quand j'ai touché le. Enfin, quand j'ai failli toucher le sol. Ouais bon, objectif 1,5 du coup. On continue. Mon avion me désobéit, il ne fait pas ce que je lui demande. Je sais pas si je parle assez fort là, si vous m'entendez bien. Tu sais, je parle doucement dans mes vidéos en général. Pourtant, dans la vraie vie, ceux qui me connaissent, même pas t'imagines. Bon, allez, petit avion. Avion! Ok.
se rapproche vers 2 comme Deezer, comme l'application pour écouter de la musique. Vous connaissez Deezer? Ah, moi perso, je suis plus Deezer que Spotify, hein, je vous dis la vérité. Bon, allez, trêve de blabla, on va faire. Oh, putain, déjà 10 minutes de rec. Ah, ouh! Bon, en fait, je voulais voler comme ça, qu'on masse, comme disent les jeunes. Voilà, nickel. Et ce, sur quelques kilomètres. Je veux pas trop m'approcher du sol, on va pas trop faire le débile. Et on finit avec une petite vrille. Et voilà, c'est beau, les gars. Hein, que c'est beau tout cela. Gare. Oui! Mettez en commentaire, PyroQuest est le meilleur en vrille. Juste pour me faire kiffer, quoi. Celui qui met ça en premier, il a une dédicace dans la prochaine vidéo. Ça peut la dédicace inutile, mais. Voilà, ça met un peu de challenge dans la vidéo. Ça pimente un peu les choses. Bon, on a réussi le challenge. On passe au challenge suivant, Zibirdi. Allez, on quitte. Allez, faut que je les active pour éviter que vous vous endormiez. Comme un sommier! Ou un pommier. Alors, il faut savoir, chers amis viewers, que c'est une vidéo où on réalise des expériences, enfin des défis, mais pas que. On va aussi réaliser des expériences, comme je viens de vous le dire. Donc, on va voir déjà si les avions aiment l'herbe, si c'est des petits chiens, des petits toutous. Est-ce que les avions sont des petits toutous? On va voir ça. Tu sais quoi, on va l'appeler le Dog Luga. Voilà. Dog Luga XL. Il est beau, mon petit Dog Luga. Hihihi, c'est rigolo. Non, c'est pas drôle. Allez, petit Dog Luga. Mon Dog Nouga. C'était pas son nom de base. Mon Dog Luga n'aime pas l'herbe, c'est confirmé. C'est triste. Bon, du coup, j'ai décidé de changer de spot parce que le temps il est meilleur ici. Et bah, t'aurais, tu vas quand même mettre les. Je vais pas décoller, là on va juste faire un truc que j'ai vu sur internet tout à l'heure qui m'a bien fait rire. Mais je préfère quand même faire la procédure de décollage. Je sais pas, c'est drôle à faire et tout. Parce qu'il faut savoir que. Et aussi, j'ai en fait, j'ai changé de spot. Parce qu'il fait meilleur ici qu'à New York. Une recherche qui m'a bien fait rire parce que avant de faire cette vidéo, ou la salague, avant de faire cette vidéo, je voulais chercher sur internet, par exemple, est-ce que les avions font, fait, sont. J'ai vu une recherche, est-ce que les avions font peur? On va voir ça de suite dans cette vidéo. Trop peur, mon Dieu. Je vais arrêter cette vidéo, j'ai tellement peur. Je suis traumatisé. Mais non, bande d'imbéciles, ça fait pas peur.